Ma petite Valérie, ce n'est pas la première fois que Sœur de la Providence a à se plaindre de vous. Vous semblez prendre plaisir à aller contre chacun des règlements de notre institution. Il y a 2 mois, vous fumiez en cachette. Nous nous sommes contentés de vous avertir. Vous vous en souvenez, j'espère. Nous avons été bien récompensés. Voilà maintenant que vous sautez le mur. Belle reconnaissance. Vous avez oublié sans doute que nous vous avons recueilli quand il n'y avait plus personne pour prendre soin de vous. Que nous vous avons élevé. Que nous vous avons préparé à exercer le beau métier d'institutrice. Vous n'êtes qu'une tête folle. Vous ne pensez qu'à courir la galipote avec tous les petits voyous du voisinage. Puisque vous ne voulez pas changer de conduite, nous parviendrons bien à vous sauver malgré vous. Cette nuit, vous pouvez retourner dans votre chambre. Demain, nous nous reverrons. Vous savez qu'il y a des institutions où l'on se charge de mater les fortes têtes de votre espèce. Vous pouvez aller. Je vais prier pour vous. Thank you.
est Paul? C'est moi. Je cherche une chambre et il y a un type là-bas qui m'a dit que tu t'occupais de ça. On peut toujours arranger ça. Tu veux danser? Où sont les tasses? Là, elles sont devant toi. Où ça? Là. C'est celle d'hier? Ben oui, j'en ai pas d'autres. Le robinet ne fonctionne pas. Si tu veux, il y en a en arrière. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je ne sais pas. Rien. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Non, c'est absolument pas nécessaire. Non, je disais ça parce que si tu veux faire un peu d'argent, j'ai un copain qui cherche des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vend des journaux, c'est pas malin. Le voyage, le journal, le voyage, achetez le voyage, le journal, le voyage. Le journal, le voyage, achetez le voyage. Qui n'a pas son voyage? Avez-vous votre voyage? Oh, moi, j'aime mon hostie de voyage. T'es fatigué? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Demain, tu vas voir. Je me trouve une position et je commence à gagner de l'argent. Pas des sous, de l'argent. Thank you.
Vous pourriez me dire l'heure, s'il vous plaît? Là, il est 10h30. Merci. Quel âge avez-vous? Ben, vous avez 21 ans, au moins. Ah oui, 22. Vous avez déjà travaillé comme danseuse? Oui, j'ai déjà travaillé. À quel endroit? En dehors de la ville. Où exactement? Oh, à Québec, à Trois-Rivières. Au Disco Club à Trois-Rivières. Connais pas. Vous restez à Montréal maintenant? Oui. À quel endroit? Je viens d'arriver, je cherche un appartement. On peut arranger ça. Il y a justement une de nos filles qui cherche quelqu'un pour partager son appartement. Vous êtes prête à commencer quand? N'importe quand. Certaines de vos compagnes vous ont vu vous promener presque nu dans le dortoir. Ça va? Fatiguée. Tu veux me donner ma serviette? Tiens. Merci. Tu veux que je t'aide à te sécher? Tu viens de te lever et tu es déjà fatiguée? Je suis morte. Tu vas prendre l'habitude, tu vas voir. Ça fait 3 jours que tu me dis ça. Ben, j'étais comme toi quand j'ai commencé. Et je suis passée au travers. Tu veux ton peignoir? Oui, merci. Tu devrais prendre l'air. Va à la montagne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Toi? Non. Non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle de jouer tout seul. Tu as un beau bateau pourtant. Non. Non, il est pas beau. Non. Pourquoi? Parce que t'es tout seul toi aussi. Oui. C'est drôle. Pourquoi? Parce que les filles ici ne sont pas toutes seules d'habitude. Et les petits garçons non plus. Je suis pas tout seul, moi, j'étais avec mon père. Mais je suis tout seul pour jouer. Et tu viens ici tous les... Et ton bateau s'en va. Attention, tu vas tomber. Capitaine, revenez tout de suite ou je vous mets au fer.
Attention aux requins, c'est plein de requins par là. As-tu dégainé? Il fallait aller tout mouillé. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ne vous dérangez pas. Elle est allée chercher mon bateau au milieu du lac. Il exagère un peu. Tenez. Moi, je m'en vais jouer. Essuyez-vous. Merci. Salut, fils insupportable. Bonjour, François. Ton enfant terrible. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous en rendre compte. Je l'ai trouvé très gentil. Ah, sûrement avec vous, il a voulu se montrer sous son meilleur jour. C'est un petit garçon précoce qui aime bien avoir de grandes amies. Il n'a pas mauvais goût, d'ailleurs. Bon. Eh bien, voilà, c'est terminé. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Je peux vous offrir quelque chose. Vous avez de la térébenthine? Je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. Alors, une térébenthine, jus d'orange. Bien. Moi, j'ai toujours cru que je venais ici pour permettre à mon fils de prendre l'air. Il n'a plus de mère pour s'occuper de lui. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. En tout cas, pendant qu'il respire, moi, je m'inspire. Oh, celle-là, elle est jolie. Ouais, ben, personnellement, je trouve ça un peu pompier. De qui est-ce? Je sais pas. Vaillancourt, probablement. Au moins, elle est utile. Les autres, pour éteindre un feu. Ben, il y en a une autre là-bas qui est utile et habitable. Habitable? Oui, venez voir. Voilà. Voilà, si madame veut bien s'aller à peine entrer. Ici, c'est le living, n'est-ce pas? Dans lequel nous entrons de plein pied. Remarquez comme la pièce est bien éclairée. On se croirait dehors. L'aération également, grâce à un nouveau procédé secret, est d'une efficacité maximum. De même, nous avons supprimé tous les problèmes de chauffage en supprimant carrément le chauffage. Très simple, me direz-vous. Encore fallait-il y penser. Voyez, dans le living, n'est-ce pas, si vous voulez bien me suivre, nous avons des bancs réalisés à même les murs. Donc, fini les problèmes de décoration. Fini de vous creuser la tête et vous demander, vais-je mettre le fauteuil rose à côté du divan vert ou le divan vert à côté du divan bleu? Non, ici, tout est en place. C'est merveilleux. C'est extraordinaire, non? Non. Bon, il faut que je parte. Excusez-moi. Déjà? J'espère que nous nous reverrons. Vous direz bonjour à François de ma part. Au revoir. Au revoir. Ouf, j'ai mal partout. Je suis épuisée. Tiens, regarde ce que j'ai acheté. Des fossiles? Tu en avais déjà trois paires. C'est pour toi. Viens, je vais t'aider à les mettre. Ça te plaît? C'est drôle. Tiens, j'ai ça pour toi aussi. Pour moi? Mais tu es folle. Pourquoi m'as-tu acheté ça? Tu ne l'aimes pas? Bien sûr, je l'aime, mais ça doit coûter une fortune. Mais non, tiens, essaie-le. Ah, il y a une crème de beauté épatante dont Valérie m'a parlé. Tu devrais l'essayer. Dis-moi, ta nouvelle petite amie, elle est toujours aussi merveilleuse? Toujours, toujours. Et vous vous entendez bien? Pas comme tu crois. Tu devrais me la présenter un beau jour. J'aurai un métier d'avenir pour elle. Institutrice? Mais où est-ce que vous m'amenez comme ça? Moi, je ne sais pas, c'est une idée de Kim. J'ai décidé de prendre votre éducation en main. Nous allons rencontrer Mademoiselle La Tendresse, une enquêteuse sociale.
Elle va nous poser des questions sur notre vie et on lui répondra toutes sortes de choses. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bon, alors je crois qu'on peut y aller. Alors écoutez, j'ai déjà parlé avec Mademoiselle Kim, c'est-à-dire que nous avons établi les premières approches. Alors, est-ce que je pourrais vous demander à vous aussi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, officiellement, je veux dire? Je suis danseuse. Moi aussi. Bon, alors je m'excuse de sauter aussi brusquement au sujet qui m'intéresse, mais vous avez souvent l'occasion dans la vie, hein, de faire la vie, hein, comme vous dites. Ah mon Dieu, les occasions, c'est vraiment pas ce qui manque. D'abord, il faut bien le dire, les hommes ne pensent qu'à ça. Vous avez dû avoir l'occasion de vous en rendre compte personnellement. Oh! Enfin, vous savez un peu comment s'est fait un homme, tout ça? Comment c'est vite satisfait? Bon, alors je peux vous dire ceci. Avec toutes les occasions que j'ai, je pourrais passer un mois au lit jour et nuit sans que le même type revienne deux fois. Ah! Je ne le fais pas, remarquez bien, parce que ça ne m'intéresse pas. Ah non? Non, je suis lesbienne. Ah oui! Comme c'est intéressant! Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes comme ça? Ah, depuis toujours. J'aime les femmes, voyez-vous? Les jolies femmes, vous comprenez? Oui, oui, je comprends très bien. Et vous, mademoiselle? Ah, moi, j'aime les hommes, les vrais, les gros, les forts. Comme celui qui m'a violée quand j'avais 10 ans. Vous aviez 10 ans? 10 ans, oui. Mais j'étais mûre de caractère, j'avais déjà eu 2 amants. Puis, cette T'étais là, je suis allée sur une ferme chez un oncle et un après-midi, comme je dormais dans le foin en faisant des rêves d'enfant, ce gros type s'est jeté sur moi. Il était gros, immense, de partout. Ça m'a marqué. Ça m'a fait mal un peu, je dois dire. Mais maintenant, ce sont les hommes comme ça que j'aime. Les vrais, les gros, les violents. C'est passionnant! Moi, j'ai été violée à 7 ans. À 7 ans? Mais je considère le fait comme exceptionnel. Née très jeune, d'une famille très pauvre, j'étais la cadette d'une famille de 18 enfants. Ma mère, elle, était toujours malade, et ce n'est pas avec le petit salaire de mon père que nous pouvions la faire soigner. C'était un alcoolique. Il était toujours au pub et... Mais c'est merveilleux! On dirait un conte de fées! Quoi qu'il en soit, je peux vous dire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, je me prostitue. Je n'ai pas honte. La vie m'a brisée quand j'étais très jeune. Viola, 7 ans, t'es pas folle? Oh, j'ai failli dire 4. Elle a aimé ça, en tout cas. Je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? De deux choses l'une. Ou elle écrit un livre, ou elle se lance dans le métier. Elle va écrire un livre. Tu veux me laisser ici? D'accord. D'accord, bonjour. Bonjour. On se reverra, j'espère. Bien sûr, ça me fera plaisir. Tu sais ce que tu devrais faire? Prendre un bon bain, te coucher. Oui, c'est une bonne idée. Thank you.
que tu fais là? Je réchauffais la place. Il fait assez chaud. Tu ne crois pas? C'est une blague. Je voulais voir si tu étais confortable. Mais oui, je suis bien comme ça. Tu ne te couches pas? Tu gardes ça pour dormir? Oui. Tu vas crever. On est tellement mieux toutes nues. Crois pas? Je ne sais pas. Je suis habituée comme ça. Je vais te laisser si tu veux. Tu ne me dis pas bonsoir? Bonsoir. Bonne nuit, Valérie. Ce que tu disais l'autre jour, c'est pour rire ou pour vrai? Qu'est-ce que je disais? Je sais bien. Quoi? Que tu te... Que quoi? Que tu te prostitues. Ah, oh, mon Dieu, ben oui, c'est pas un mystère. Comment ça se passe, au juste? Ça t'intéresse? Ah, tu veux que je t'explique? Ben, ça dépend. Dépend de quoi? Ça dépend à quel niveau tu travailles d'abord. À ton niveau. Bon. Bon. Je reçois un coup de téléphone. Tu es un souteneur? Non, pas vraiment. C'est plutôt comme une association. Pour avoir des clients, il faut que tu aies une publicité. C'est comme l'épicier du coin qui décide de faire partie d'une chaîne de magasins. On travaille un peu comme ça, tu vois. Et qu'est-ce qui te téléphone? Le client? Oui. Et ensuite? Ensuite, tu lui donnes un rendez-vous. Chez toi? Chez toi ou ailleurs. Ça dépend de ce qu'il t'offre. Et après? Et après, ma pauvre choute, tu veux que je te fasse un dessin? Non, mais ils sont comment les types? Gros, laid, méchants? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Je ne sais pas, je demande. Écoute, si ça t'intéresse vraiment... J'ai mal aux pieds. Ils sont enflés. Écoute, si tu veux retourner à la maison, je peux arranger ça avec le patron. Mais non. Je dis juste ça comme ça. Je peux continuer. Mais si ça te fait trop mal? Si ça me fait trop mal, tant pis pour moi. J'aurais que choisir un autre métier. Tu veux vraiment continuer? Mais oui. Allez, on y va? Quand j'ai entrepris quelque chose, je laisse pas tomber en cours de route. Que je fasse avec ça? On va se baigner. Je croyais que... Mais oui, ça va venir. Tu es bien pressée. Oh, tu es plutôt bien, tu sais. Merci. Toi aussi, tu sais. Tu as dû avoir des ennuis avec André. Bof. Pas t'en faire, tu sais. On est toutes passées par là. Je ne m'en fais pas. Quand même, si tu peux déménager, je te le conseille. Oh, remarque, je n'ai rien contre André. C'est une très bonne copine. Enfin, tu es assez grande pour voir par toi-même. Allez, on va se baigner. J'arrive. Tiens, bonjour, Kim. Comment allez-vous? Bonjour, Jean. Très bien, merci. Vous avez amené une amie? Mais oui, je vous présente Valérie. Bonjour, monsieur.
André. Bonjour, mademoiselle. Bon. Eh bien, vous allez bien prendre quelque chose, enfin, j'imagine. Vous ne vous baignez pas? Nous venons de dîner et nous avons pris un gros plat. Toujours 2 heures après avoir mangé, mais si vous voulez y aller, ne vous gênez pas pour nous. Tu veux y aller? Je ne sais pas. Allez, vas-y. Je t'attends ici. Elle est jolie, votre amie. Mais elle a l'air un peu... Elle a l'air un peu timide. Il faudra être très gentil avec elle. Elle commence, vous savez. Nous sommes toujours très gentils, non? Dis-moi, André, tu as fait des choses pas gentilles. Non, mais Jean, vous savez très bien, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Est-ce que vous pensez que votre ami saura se tirer d'affaire? Mais j'en suis sûr. Pourquoi tenez-vous à ce que ce soit si compliqué? Nous sommes des amis, nous nous rencontrons, nous bavardons, nous nous amusons. Je ne vois pas où il peut y avoir un problème. Mais je ne parle pas de moi, Jean. Je sais bien. Mais si c'est votre ami qui vous tracasse, regardez-la. Oui, ce que j'ai vu de mieux, c'était à Rome. Ici, bien sûr, nous avons le confort, le modernisme, tout ça. Mais là-bas, ils ont la grandeur, la majestuosité. Vous voyagez beaucoup? Enfin, assez, oui. Les affaires me forcent à me déplacer passablement. Et puis, j'aime bien aussi voyager pour mon propre plaisir. Alors, on n'allait pas toujours dans les grands hôtels comme aujourd'hui. Nous voilà chez vous. La chambre est jolie. Vous aimez? Beaucoup. C'est très bien. Je crois que c'est ce qu'ils ont de mieux ici. Évidemment. On n'a pas la vue sur la baie de Rio, mais... faut pas être trop exigeant. Oh! Oh, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abîmer vos jolies mains. Je vais appeler le garçon. Mais où est-ce qu'ils ont fichu la sonnette, ces imbéciles? Attendez, ça ne presse pas. Vous avez bien raison. Ça vous plaît pas que je vous embrasse? Mais oui. Pourquoi dites-vous ça? Vous êtes nerveuse. Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais non. Il faut le dire, vous savez. Cacher quelque chose, n'est-ce pas? Tenez, je gâche que vous en êtes à vos premières armes. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Vous savez, vous n'êtes pas la première à passer par là. J'imagine. Et je crois que vous allez faire mieux que toutes les autres. C'est un concours? Si vous voulez. Dans ce cas... Thank you.
Entrez. Je n'ai rien demandé. Monsieur a laissé des instructions. La note est payée et vous pouvez disposer de la chambre jusqu'à 2 heures. Salut. Bonjour. Où étais-tu passée? J'étais avec Kim. Qu'est-ce que tu as? Tu as bien l'air pressée. Je ramasse mes choses. Je m'en vais. Écoute, André, tu sais comme ça fatiguait danser. Tu le sais? J'arrivais épuisée tous les soirs. Je n'en pouvais plus. Je ne peux pas continuer comme ça toute ma vie. Tant qu'à changer, aussi bien changer maintenant. Tu ne crois pas? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Trouver quelque chose de plus payant, de moins fatigant, de plus amusant. Tu vas voir, je sais me débrouiller. Mais tu ne veux pas rester ici? Mais non, il me faut ma chambre à moi. On pourrait s'arranger ici. Écoute, André, je te dis que c'est impossible. Ça peut pas marcher. Non, tout est arrangé avec Kim. J'ai un appartement. Tu devrais voir ça. Je vais l'arranger. Bon, il faut que je me sauve. Allez, fais pas cette heure-là. On se reverra. Ciao. Allô? Ah, c'est toi, Kim. Comment ça va? Très bien. C'est parfait. J'adore ça. J'ai mis le fauteuil dans l'autre coin. Sûr? T'as bien l'air pressé. Non, écoute, je veux pas te retenir. Vas-y. Ouais. Ouais. C'est un client que tu connais? C'est gentil chez vous. Ça vous plaît? Beaucoup. Ce n'est pas encore complètement fini. Je vais mettre un fauteuil dans le coin là. Et il manque encore quelque chose au-dessus du lit. Vous avez décoré vous-même? Bien sûr. Je vais me sentir bien chez moi. Je me sens bien chez vous. J'ai une idée. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Comment jeudi? Nous sommes samedi, imbécile. Samedi, jour de congé. Ça te fait penser à quelque chose, toi, le samedi? Non! Je vais à la montagne.
Bonjour, c'est ton bateau? C'est pour toi. Pour moi? Oui. Il te plaît? Il est magnifique. Tu vas voir papa, il est là-bas. Je vais lui dire bonjour et après je reviens le voir. C'est vous, Valérie. Ça ne veut rien dire, ça. C'est du barbouillage. Hein? Vous n'aimez pas mon tableau? Tout le monde peut faire ça, c'est facile. Vous avez autre chose à ajouter? Non, je ne crois pas. Vous savez ce que ça signifie, un point comme ça entre les deux yeux en Polynésie? Non. Eh bien, ça signifie... Tenez. Ça signifie que vous êtes une jeune fille facile qui se donne à tout le monde. Ça ne part pas? Non. Je suis marquée pour la vie. Mais non. Le temps efface tout. Avec un peu de bonne volonté et pas mal de térébenthine. Voilà. Vous croyez que vous seriez capable de faire mon portrait? Vous n'avez vraiment pas confiance en mes capacités. Ça veut dire oui ou non, votre réponse? Quand voulez-vous que nous commencions? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Vous êtes de quel signe? La Vierge. Je ne l'ai pas choisie. Pourquoi dites-vous ça? Je trouve que ça vous va très bien. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas. Et puis, les natifs de ce signe ont toujours des horoscopes charmants. Cette journée sera pour vous une journée de rêve. Tous vos désirs se réaliseront. Vous vivrez un véritable conte de fées. Je vais te montrer ma chambre. Je ne sais pas si... Si, allez-y, je vais m'installer pendant ce temps-là. Vous êtes prêt? Si vous l'êtes, oui. Non. Fallait pas rester habillé comme ça pour passer à la postérité. Vous préférez comme ça? C'est mieux, non? Si vous voulez simplement peut-être relever un peu le bras gauche tout en retenant la chevelure. Un petit peu plus bas. Comme ça, oui, regardez-moi.
Bonjour. Je vous attendais. Ah, je vous ai fait attendre? Pas du tout. Je lisais. Vous vous intéressez à la peinture maintenant? Un peu. Qu'est-ce que vous avez là? Botticelli. Ça vous plaît? Oui, mais... j'aime mieux ceci. Ah! Les impressionnistes français. Nous avons les mêmes goûts, vous savez. Nous allons bien nous entendre. Tenez, c'est celle que je préfère. Vous êtes merveilleuse. Vous auriez inspiré les plus grands chefs-d'œuvre. Bon, voilà, pour aujourd'hui, ça suffit. Tu peux voir? Mais non, pas avant que j'ai terminé. J'ai l'impression que ça n'avance pas très vite. Est-ce que nous sommes pressés? Mais non. Pas du tout. Vous êtes une petite hypocrite. Non seulement, mais une petite curieuse. Bah, curieuse ou hypocrite, demain je vous le montre, je crois. Demain? Vous venez demain, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. Papa donne une réception et il tient ce que j'y sois. Mon famille, je vous hais. Pouvez-vous organiser pour venir quand même? Non. Bon. Allô? Oui? Bonjour, ça va? Ça va, merci. Excuse-moi, je suis pressée un peu. Oui. Un demi-point? C'est pas mal. Et du nickel, t'as des nouvelles? Bon, bon, ça tombe bien. Achète, achète. Bon, je te laisse. Rappel? OK. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Entre. Bien, toi? Ça va bien, très bien. François n'est pas là? Il est couché depuis 10 minutes. T'es tranquille, hein? Un peu, oui. Va lui dire bonsoir, je t'attends avec plaisir. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Pas grand-chose. Je suis restée à la maison. T'as pas eu de difficulté à sortir ce soir? Non, non. Ça s'est bien passé. Papa est parti en voyage. Ah, le vieux parti? Patrick. Oh, pardon. Tu me demandes pas ce que j'ai fait, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Viens voir. C'est terminé? C'est terminé. Ça te plaît? Oh, c'est merveilleux. Da-d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 a-
François, François Ondine. T'es-tu lavé les mains? Oui, regarde. Très bien. Eh bien, mon cher fils, je crois que nous allons nous faire prendre en main. Au fait, Patrick, tes mains? Moi? Car je veux vivre, comme l'eau du vent, être libre. Bonjour, ici Valérie. Ceci est un enregistrement. Je suis absente de la maison en ce moment. Si vous voulez laisser un message, vous avez 30 secondes à partir du signal sonore. Bonjour, Valérie. Ici Charles. Je te rencontre comme convenu. Ça s'est arrangé. J'ai hâte de te revoir. Je te prendrai à 6 heures. Bonjour. Bonjour, ici Valérie. Ceci est un enregistrement. Je suis absente de la maison en ce moment. Si vous voulez laisser un message, vous avez 30 secondes à partir du signal sonore. Allô, c'est Kim. Oh, j'ai rien à te dire, je voulais simplement papoter. Tu me donneras un coup de fil quand tu auras le temps. Salut. Bonjour, ici Valérie. Ceci est un enregistrement. Je suis absente de la maison en ce moment. Si vous voulez laisser un message, vous avez 30 secondes à partir du signal sonore. Bonjour, mademoiselle. Un ami m'a donné votre numéro et m'a beaucoup parlé de vous. J'aimerais bien vous rencontrer. C'est dommage que vous soyez absente. J'essaierai de vous rejoindre plus tard. Au revoir. Bonsoir, madame. François est endormi? Oh, il dort comme un ange. Il n'y a pas eu de difficulté avec lui? Ben non. Vous savez bien qu'il est un enfant modèle. C'est vous qui êtes une gardienne modèle, madame Petrovna. Bon, je me sauve. Au revoir. C'est ça, bonsoir. Vous appellerez. J'espère. Bonsoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonsoir. Elle est charmante, n'est-ce pas? Oui. Elle doit être bien utile. Si elle n'existait pas, faudrait l'inventer. Ou bien lui trouver une remplaçante. Je vais voir si François est endormi. Je t'ai réveillé. Mauvais garçon. Dors maintenant. Tu veux rester ici ce soir? Oui, je pense. Tu vas toujours rester ici maintenant? Je ne sais pas. Tu ne veux pas? Oui, je vais rester. Tu vas devenir ma maman? Oui, oui. Dors.
Il dormait? Non, mais maintenant, ça y est. Qu'est-ce que tu as à sourire comme ça? Moi, mais je ne souris pas. Si, tu ris. Mais pas du tout. C'est moi qui te fais sourire comme Tiens, ça? Tiens, viens ici. J'ai une surprise pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu les as vendus? Mais non, imbécile. Tu es folle. Quoi alors? J'ai une exposition. Toi? C'est vrai? Pourquoi pas moi? Tu crois que je le mérite pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu le sais très bien. Imbécile toi-même. Quand ça? Demain. Demain? Tu es fou. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? C'est une surprise. Regarde. À 8 heures? C'est merveilleux. Oh! Bonsoir. 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 Ça fait 10 mois qu'on t'a pas vu. T'es cloîtré? Eh ben, quoi je travaille? Moi, je pense pas mon temps voir. Bonsoir. Madame. Bonsoir. 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 Monsieur Bolland, vous voulez venir par ici pour une photo? Oui, oui, bien sûr. Tu es avec moi? Non, non. Vas-y, je t'expliquerai. Bien. Bon, devant celle-ci. Pardon? Pardon. Bon, très bien. Bon, très bien, merci. Là, regardez par ici. Là, oui, comme ça. Bon, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Merci. Patrick, on ne vous voit plus à la maison. C'est la célébrité qui vous rend aussi indépendant. Oh, vous savez, la célébrité, c'est pas pour aujourd'hui. C'est très bien, votre exposition. C'est merveilleux. Vos dernières toiles sont magnifiques. Ce nu, cette masse. Oh. Patrick, les journalistes en délire te réclament. Je crée une émeute. Vous permettez, madame? Oh, allez, allez. Une révolution est si vite arrivée. Dis-donc, mon vieux, t'as des relations choisies? Oh, c'est une espèce de parente qui essaie d'avoir des toiles gratuites, au cas où. Et la belle Valérie, c'est aussi ta cousine? Comment tu la connais? Ah, on ne me cache rien à moi. Ouais. Excuse-moi. Ah, Balin! Salut, mon vieux! Salut! Alors, ça te plaît? Ah oui, c'est pas mal du tout. Je t'avoue que c'est plutôt intéressant. Alors tu me fais un papier extraordinaire samedi et tes 3 lecteurs viennent assister à mon expo. Comment mes 3 lecteurs? T'oublies que la petite nièce a appris à lire cette année? La force pas à lire tes articles. Eh? Tu vas la dégoûter de la lecture à tout jamais. T'as bien dégoûté ma pauvre mère de la peinture, toi alors, hein? C'est malin. Non, non. Ça a bien marché, non? Oui. Enfin, je ne sais pas. Comment tu sais pas? Enfin, je ne sais pas aussi bien que toi. Je ne connais pas aussi bien le milieu. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé que ça a très bien marché. Bon, je t'emmène boire un verre pour fêter ça. Oh non, j'ai assez bu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, je suis juste un peu fatiguée. Viens, parle plus. Vous l'avez
J'ai passé 3 jours avec lui. J'étais heureuse. Tu ne peux pas savoir. Puis je n'ai jamais autant ri. Pourquoi tu n'es pas restée? Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que je suis, ce que je fais. Et puis il y a François. Son fils. Il croit que je vais devenir sa mère, un peu. Tu ne veux pas? Écoute, Kim, tu ne comprends pas. Je l'aime. Mais justement, c'est merveilleux si tu l'aimes, non? Oui, mais... lui ne m'aime pas. Mais s'il t'aime, si tu crois qu'il est prêt à t'épouser... Mais pas pour ce que je suis, il m'aime pour ce qu'il croit que je suis. Mais c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas lui dire ce que je fais. Je suis obligée de lui mentir continuellement. D'inventer des prétextes pour ne pas aller le voir plus souvent. J'en ai assez de tous ces mensonges. Tu vois, l'autre jour, au vernissage, tu sais, il y avait un type qui me connaissait. Il a fait semblant de ne pas me reconnaître. C'est toujours la même chose. Les gens sont là quand ils ont besoin de moi. Et après, j'en ai assez. Je voudrais qu'avec lui, au moins, ce soit différent. Je voudrais tout pouvoir lui dire, être moi-même, enfin. Mais tu peux lui dire. S'il t'aime, il te pardonnera. Je ne veux pas me faire pardonner. Je voudrais que ce que j'ai fait n'ait jamais existé. Peut-être me pardonnera-t-il. Mais pardonner, ce n'est pas oublier. Avec le temps, on oublie toujours. Avec la bonne volonté de la térébenthine. Quoi? Rien. Je pensais à quelque chose. Tu veux un verre? Allô? Oui? C'est moi. Samedi. Je regrette, mais... attendez. Oui, d'accord. À l'aéroport? Mais c'est en dehors de la ville, alors. Entendu. Au revoir. Aujourd'hui. Ah, c'est toi, François? Non. Non, Valérie ne vient pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que... elle est allée voir une vieille tante. Elle est mieux que nous? Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle est très malade. T'as plus envie de jouer? Plus tellement. Bon, allez, viens, on va rentrer. D'ailleurs, la lumière est pas tellement bonne aujourd'hui.
Il y a trop de brume. Asseyez-vous, je vous prie, mademoiselle. Vous parlez bien quelque chose avec moi. Shams, apportez le porto, s'il vous plaît. Vous trouvez sans doute un peu bizarre la façon dont je vous ai fait venir ici. Je vais être franc avec vous, mademoiselle. Elle n'avait qu'un but, vous permettre de juger de la fortune dont je dispose. Ah, merci, James. Vous pouvez vous retirer. Je servirai moi-même. Tel que vous me voyez, je suis vieux, je suis laid et même un peu dégoûtant. Oh, ne niez pas, je sais très bien ce que vous pensez, mais ça ne me dérange pas, car je suis riche et je crois que tout s'achète. Non seulement je le crois, mais j'en ai fait l'expérience. Sans doute, vous soupçonnez un peu ce qui se cache sous ce préambule. Je vais donc vous dire ce que j'attends exactement de vous. Chaque année, je fais une croisière en Méditerranée. Et j'ai aussi un yacht que vous n'avez pas vu. Vous savez sans doute qu'une croisière sans jolie fille est comme un jour sans soleil. Ou plus exactement, 3 mois. Car j'ai l'intention de partir 3 mois. Donc, je cherche une jeune fille et j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, cela vous dégoûte. Pourquoi n'êtes-vous pas franche? Moi, je joue carte sur table et je vais même vous montrer le reste de mon jeu. Vous toucherez 500 dollars par semaine, ce qui est fort peu, ça j'en conviens. Mais vous avez 4 heures de liberté par jour pendant lesquelles vous ne serez pas obligé de supporter ma présence. Et c'est merveilleux, convenez-en. Et vous ne dites rien? Allô? Allô? C'est toi, Louise? Ah, Patrick, ça va? Oui, salut. Est-ce que Pierre est là? Oui, il est parti. Il est parti depuis longtemps? Il y en a pour la journée. Est-ce que je peux t'aider? Non, non, c'est à lui que je voulais parler. Tu sais où il est allé? À l'atelier. Oui. Oui, c'est ça que je voulais rappeler. Bonjour. Salut. Vous faites pitié, monsieur. Je ne fais pas pitié, puisque vous êtes à côté de moi. C'est moi. Ah non, 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 non. Vous pouvez me refuser le voyage, mais pas l'amour. Je vous ai fait venir. J'ai payé, je prends. James. James. Je vais réparer le nom. Fais ton métier. Thank you.
Salut. Tu connais Françoise? Patrick Bolland. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Bon, il faut que je parte. Ciao. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Tu devrais voir ses fesses. Les plus belles fesses en ville. Si elle avait l'intelligence au même niveau, elle serait géniale. Si tu veux, je peux te la passer, tu sais. Non, non, je te remercie. M'arrange très bien comme ça. Pas si sûr. Si tu viens me voir, t'as sûrement besoin de quelque chose. C'est vrai, tu as raison. On peut rien te cacher. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, j'ai cru me rappeler que tu m'avais parlé de Valérie au vernissage. Oh! La belle Valérie. C'est elle qui te tracasse. Tu la connais? Oh, qui ne la connaît pas, mon vieux? T'as l'air un peu surpris. Quelque chose qui fait pas ton affaire? Tu voulais être le seul à la connaître, hein, petit égoïste? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. T'es une fille comment? T'as une fille comment? Je sais pas, moi. C'est une fille charmante. Elle fait son métier, c'est tout. On peut pas lui en faire leur proche. Fait son métier. Écoute, tu veux que je te fasse un dessin ou bien tu préfères une sculpture? Non, non. Seulement, j'aimerais que tu m'expliques. Ah, tu la connais, Valérie, ou tu la connais pas? Je la connais un peu, oui. Comme c'est comme ça. Tu gagnerais à la connaître mieux. C'est la plus jolie putain en ville. Valérie. À partir du signal sonore. Bonjour, ici Valérie. Ceci est un enregistrement. Je suis absente de la maison en ce moment. Si vous voulez laisser un message, vous avez 30 secondes à partir du signal sonore. Ici Patrick. Eh ben, t'as une belle salope. Une joyeuse garce. Je t'applaudis, bravo. En tout cas, je te souhaite une bonne et heureuse année. Et puis merde. Excuse-moi de te déranger, mais j'avais absolument besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça ne va pas. Toujours la même chose? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé de nouveau? Patrick, c'est tout. Il a appris. Il m'a téléphoné, il m'a traité de... Allons, allons. Je m'en vais. J'en ai assez. Je laisse tout. Je vais aller ailleurs, à la campagne, n'importe où. Bon, bon, pleure. Ça fait du bien. Demain sera meilleur, tu verras.
numéro que vous avez composé. I'm sorry, but there is no... Valérie, papa m'avait dit que tu ne viendrais plus. Je suis juste venue te dire bonjour, il faut que je parte. Tu ne viens pas dire bonjour à papa aussi? Non, je n'ai pas le temps. Je devrais déjà être partie. J'ai vu Valérie. Valérie? Oui, elle est venue ici. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle s'en allait, qu'elle voulait me dire bonjour et qu'elle n'avait pas le temps de venir te voir. Par où est-elle partie? Par le chemin du chalet. Reste ici une minute, je reviens tout de suite. Tu ramèneras Valérie, hein?